Bujard a pratiqué beaucoup le portrait et un des genres qu'il a pratiqué le plus, c'est le portrait couché. Vous avez une photographie de son ami, amant, le grand artiste David Vojnarowicz, qu'il rencontre au début des années 80. Ce portrait très, très contemplatif de Susan Sontag, critique, essayiste, romancière, qui a écrit sur la photographie et qui a été sa grande amie tout au long des années 60, 70 et 80. Cette dernière image, qui est presque l'icône de Peter Hujard, qui est sans doute son image la plus célèbre, qui est ce portrait de l'actrice transgenre Candy Darling, superstar warholienne, sur son lit de mort à l'hôpital en 1973. Ce qui est intéressant dans le portrait couché, c'est que finalement, d'abord, ça trahit l'intimité que le photographe